Impatient de voir cette rencontre débuter, on se retrouve dans un instant à l'Albaït Stadium pour vivre ça ensemble. C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar. Bienvenue à l'Albaït Stadium. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, au programme ce huitième de finale de Coupe du Monde, l'Argentine contre l'Australie. Un huitième de finale, c'est le moment où les choses deviennent plus difficiles, où certains caractères se révèlent. Vous allez voir, il va y avoir une surprise. Nicolas Otamendi, number 8. Voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de l'art. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et c'est parti dans ce match. Oh, la bonne frappe! Et un arrêt qui fait du bien. Oh, le tir! Excellente intervention. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Le ballon écarté juste devant le but. C'est l'adversaire. Il frappe. Et le gardien s'emploie comme il faut. Et la frappe. Et la bonne parade du gardien. Nouvelle occasion avec ce corner. Le ballon pour Messi, opportunité pour marquer, et quel arrêt sur ce ballon. Lautaro Martinez reçoit le ballon, et oui pour Dybala, et la passe en profondeur, c'est dangereux, quel réflexe, quelle parade. Le ballon est récupéré, et ballon pour une frappe, et bam, quelle grosse frappe à mi-distance, ça frôle la transversale. Centre de Dybala,
c'est contré sans problème. Oui, quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Ballon pour Cristiano Romero. Et ce ballon passe juste à côté du cadre. Premier duel de cette séance de tirs au but. Ah, c'est bien fait, il a choisi le ballon à ras de terre. Le petit filet, qu'est-ce que c'est très bien tiré. Et c'est un arrêt, quelle bonne lecture de la trajectoire. Très bien stoppé ce péno. Oh, le gardien était dessus, mais ça passe quand même. Il n'a pas manqué grand-chose pour sortir ce ballon. Oh, c'est arrêté. Eh oui, superbe parade. C'est bien tiré, le ballon vient frôler le poteau. À ras de terre, comme ça, c'est quasiment imparable. Alors attention, parce qu'il ne faut pas le louper, celui-là. Oui, c'est parfaitement tiré. Il a fait son devoir, il peut regagner le rond central. Alors c'est simple, si ce pénalty est réussi, son équipe l'emporte. Et c'est fait, voilà. C'est le tir au but qui les qualifie. Sans trembler, parce qu'il y avait quand même un peu de pression là, hein. Moi, c'est les images. Ce n'est pas le but le plus difficile du monde à mettre. Non, le plus difficile, c'est d'avoir l'idée d'être là avant les autres.